je vais voir ça. Tu vois pas? Je la ramasse. Ah oui, enfin, je confonds les verres, je ne sais pas. J'ai voulu ramasser les papiers en plastique pour que la planète reste propre. Les pollueurs arrêtent de jeter des canettes et des emballages en papier. Voilà. Ce qui nous a motivés, c'est les enjeux climatiques et puis responsabiliser surtout un peu tout le monde sur la nécessité de prendre soin de l'environnement qui nous entoure, tout simplement. Et ça, c'est une selle, il me semble. Selle de moto. Encore pleine. Ok, alors, en verre ? Oui, en verre. Du coup, je vais refaire un tri et en fait, ouais, je vais prendre tout ce qui est en verre. Pour moi, c'est recyclable, voilà, et comme exactement. Je l'ai mis là-dedans. Par contre, dedans, il y a un t-shirt. Alors, nous, on a un sac avec. Pour le textile ? Ouais. Voilà. On a beaucoup de gens indélicats, en particulier sur les bords de route. Hein. Là, on est au niveau, on va dire, des rotondes, en fait, les changeurs entre la 186 et la 307 sur le Chêne-Hérault-Cancourt. Et donc, on a malheureusement beaucoup de chauffeurs indélicats qui jettent canettes, bouteilles sur les bords de route. Les équipes municipales n'ont pas la capacité de tout gérer, parce qu'on a vraiment une quantité de déchets impressionnante. Une fois par an, on organise, mais il y a aussi des associations qui le font, de façon à le faire de façon plus régulière pour pallier et ramasser des centaines de kilos de déchets tous les ans. On a trouvé pas mal de mégots, pas mal de petits papiers qui se sont envolés, sûrement des sacs à dos, des choses comme ça. Donc globalement, on est quand même satisfait de se dire qu'au Chêne, c'est pas très sale et c'est peut-être plus de manque de vigilance de la part des gens que volontairement des oublis. Sans déchets, une planète, elle est merveilleuse, alors qu'avec plein de déchets, notre planète, elle est toute gâchée.